silent weapons for a quiet war. Ça c'est de chez Check Radio. Ok, prêt opérationnel. Je te laisse en queue de dispo, je passerai derrière derrière mon dernier. Ok, deux unités, on part dans une minute. Pat ? Ouais. Je te laisserai fermer quand on sera avec Nika. Bien pris. Quand on sera tout seul, je te laisserai ouvrir. Ça marche. Ok, très bien, on est parti. Unité leader, on est parti, on commence à se déplacer de notre côté. Parlez. Je sais pas si t'as eu la com, mais il y avait au moins une patrouille qui circulait au sud-sud-est du camp. Camp Connor ou camp Maxwell? Celui qui est juste là, là, qu'on peut voir. Maxwell, reçu. Sans soin ou en tireur, la patrouille? C'était pas très clair vu la végétation, mais elle passait par les portes du camp et elle allait plutôt vers l'ouest, donc je pense que c'était en sens horaire, mais pas de confirmation absolue. Bien pris.
Ok, je prends la guilly. Tu veux dire que qu'il faut longer la route là? Non, ouais, sur la carte. Ouais, j'y suis sur la carte. Ok. On passe par là, on revient ensuite tranquillement. Ok. Audio Lico. Fantôme de Trigger parlait. Hélico transport type Le fantôme, j'écoute. Ouais, audio, hélico et visuel sur hélico. Je confirme. Hélico de transport, MI de transport non armé qui vient de décoller du prochain objectif. De fantôme, c'est bien reçu, on confirme le visuel, terminé. C'est transmis, ils ont aussi le visuel. Pour moi, il est allé vers l'aéroport ou pas loin. Donc... Ouais, j'aurais dit ça, nord-nord-ouest. Fantôme, soyez avisé qu'on est quasiment arrivé sur Betsy et que si vous avez des premières informations de reconnaissance à me donner, je suis tout ouïe. Parlez. Bien reçu de Trigger, on est encore en progression vers notre OP, on vous tient au courant dès qu'on arrive sur zone. Parlez. Deux fantômes, bien reçu. Terminé. Ils sont sur Betsy et ils attendent nos nouvelles quand on pourra leur donner des infos de reco sur l'objectif. Avec le relief. On reste avec un. Reste avec l'arme levée et arme épaulée, mais ça a eu la marche. Écoute. Faut qu'on aille nord-est, ouais. On est à
220 mètres de la clôture. Putain, on va se marrer. On va se marrer. Y a un mec au sommet du bunker, on est d'accord. Hein. C'est celui-là, ok. Et je pense que le bunker que j'avais dans ça, c'était peut-être l'hélico. Le drapeau que j'avais vu. Tu veux que je fasse part de ça ? Vu qu'on est quasiment en position, donc si vous... Bah, il veut des informations de Rocco, donc on n'est pas capable de lui donner grand-chose de plus, hein, pour l'instant. Façon, par rapport à la Rocco, je pourrais rien lui donner plus que ce que je lui ai dit. Ok. Je lui confirme qu'on a vu la patrouille. Ce que j'ai vu, un lampe par l'entrée principale, elle va à gauche, elle fait des trucs à l'intérieur. Et yes. Ouais. On va pire derrière. J'ai aucun visu pas okay. Sur l'intérieur même du camp. Fantôme de Trigger, parlez. Ok, je m'entends pas. Deux fantômes, j'écoute. Ok, en position de Rocco, pas possibilité de voir plus qu'on a déjà indiqué, à savoir le gars au sommet du bunker et une patrouille qui sort de la porte et qui se tourne en sens horaire. On a un doute sur le fait que le bâtiment qu'on a au préalable indiqué était peut-être l'hélicoptère. On n'est pas sûr de cette information. Parlez. Deux fantômes bien reçus. Est-ce que tu as un angle de tir depuis ta position ? Parlez. On serait capable de traiter le gars sur le bunker et peut-être la patrouille si elle sort au bon moment. Parlez. Deux fantômes, je peux avoir les coordonnées de votre position ? Parlez. Nous sommes actuellement en position 031-027. Je répète, 031-027. Parlez. De fantômes bien reçus. Tu comptes 3 minutes après la fin de notre conversation. À partir de là, si ça commence à s'exciter, vous avez autorisation pour ouvrir le feu. Parlez. Bien reçu pour attente 3 minutes avant feu si nécessaire. Parlez. De fantômes, si jamais ça ne s'excite pas, le topazro sera la pluie de grenades qui va exploser sur Maxwell. Parlez. Bien reçu. De fantômes, je coupe, enfin, silence radio jusqu'à la fin de l'assaut. Terminé. Socio. Pardon. Ok, on attend 3 minutes. Si ça s'excite avant 3 minutes, tu as autorisation d'ouvrir le feu à volonté. Sinon, le signal pour l'assaut, ce sera une pluie de grenades, visiblement. Donc, assaut suite à la pluie de grenades. C'est reçu pour tir dans 3 minutes et si jamais ça s'excite. Je vais essayer de te rejoindre ou je reste en position ? Je suis sur toi. Qu'on soit bien d'accord, hein, c'est la pluie de grenades hein, qui doit déclencher. Sauf si ça s'excite avant les 3 minutes. Du coup, je compte les 3 minutes. Ok, je vois la patrouille. Elle vient d'entrer, elle fait son tour. Ouais. Elle est derrière la clôture maintenant. Après en prio le mec sur le toit, parce qu'il a quand même une position chiante. La patrouille, hein, si jamais il y a une. Allez, ça va pas tarder. Patrouille.
deuxième. Les petits. Je veux dire que pour l'instant j'ai pas trouvé de mon côté, donc si les jeux ça va attendre pas longtemps. Hein. Ouais, mais il m'a encore donné le silence radio. Prochaine com radio quand la base sera nettoyée. Ok, on va les perdre encore. Il est possible que leur grenade se soit justement destinée à cette patrouille en même temps. Trigger de Phantom parler. De Trigger transmettez. De Phantom. On a vu sur bien plus de choses que ce que je pensais au départ. Du coup, ouverture de feu à votre départ de feu parler. Confirmez que c'est nous qui décidons du tir. De Phantom, affirmatif, parlez. Bien reçu. Socio, ce sera à nous d'engager de le Phantom tir. Phantom terminé. Donc. Ok, j'engage quand j'ai la patrouille de notre côté. Ok, je balancerai un truc à la radio. Tu c'était en subsonique de toute façon là. Négatif. Ah ok, bon bah. Enfin, je confirmerai qu'on a déclenché le tir. Du coup, quand je vois le deuxième mec en visu sur l'entrée principale, j'engage le mec au-dessus. Et je bascule sur la patrouille. Okay, ça, c'est baissé. On engage. De Trigger, on engage. Il est mort, donc voilà. Ouais. J'ai vu. Sur le rocher. Fantôme de Trigger, la cible du bunker a été traitée. Une seule cible traitée de notre côté. Parlez. Et la lumière. De Phantom bien reçu, on commence à investir le camp avec unité, parlez. Bien reçu, terminé. Il commence à investir le camp. Ok. J'aime pas quand ça fait ça. Surtout quand on voit rien. Affirmatif. Tu vois mon laser? Affirmatif. Je suis du coup en lunettes, hein, je suis pas dessus, donc si jamais tu vois que j'ai mon laser sur un copain, n'hésite pas à me le dire. Ouais, y'a rien qui bouge en tout cas dans le périmètre là. Pour info, il y a un laser qui vient de la gauche du tien, en fait. Ouais. Il y a eu, en tout cas il s'est éteint là. Et il doit investir de la droite. Je te confirme qu'il y a quand même du monde à nous qui doit être à gauche de la base. Hein. Peut-être un peu plus contourné. Ouais, c'est possible. Ça marche. Bordel. Effectivement, la porte est ouverte et c'est allié. Je peux tirer. Ok, ils sont deux maintenant sur le toit. C'est le médic, je vais éviter. Enfin, je crois que c'est le médic. Ok, je regarde un peu à l'ouest.
Trigger de fantôme, parlez. Ici Trigger, transmettez. De fantôme, c'est le camp est approximativement pire. J'insiste sur l'approximativement, donc faites attention en venant et rejoignez-nous, parlez. Bien reçu, on se dirige vers le camp. Sociaux. De fantôme terminé. J'écoute. Leader demande à ce qu'on rejoigne le camp. Il dit que c'est approximativement nettoyé, donc prudence quand même. Bah, de toute façon, vu la position des alliés, c'est nettoyé sur notre avancée. On peut enlever les guillis d'ailleurs. Ok, on enlève. Hop, je suis prêt. Ok, en avant. Je crois qu'on va faire ça. Si tu veux. Allié. T'as un point de rendez-vous autre que le camp? Non. Fantôme de Trigger, parlez, on est arrivé sur le camp. Bien reçu. Rendez-vous sur la casemate où le laser clignote socio avec le chef. Salut mes fougères préférées. Fougères en rapport. Oula, bien serré. Oui. Je répète, donc j'ai trouvé un téléphone qui appartenait sûrement à Tsuki, je crois, et ils disent qu'ils... de Tiao, le général Tiao. Et il dit qu'un certain Tsuki confirme le lieu d'échange qui aura lieu en 04053. Lieu d'échange 04053. À ce qui paraît, il demande à ce que le général Tiao qui vienne seul. L'échange aura lieu à peu près en moins d'une heure. Quoi. Alors, confirme 04053. Exact. Okay. Donc ça, c'est un point rendez-vous. Est-ce qu'on a quelque chose sur l'élément 0? Bah, c'est toi, chef, t'as trouvé des documents? Moi j'ai trouvé rien d'important en fait. Il y a un ordi. Rien, tu lis, rien de lit sur l'ordi là, il y a marqué que les documents que t'as ramassés. Ah. Ah oui, mais du coup si je lis sur l'ordi sans les JVN ça marche mieux. Ok. Ok, ok. Et du coup ça nous donne du 040. 0,53. Ok. Ok, Apoc, disperse tes hommes. Pareil, tu les mets en renfort okay. De mien. Tous, vous prenez position, sauf le médic. Vous vérifiez où sont les copains et vous vous mettez à d'autres positions pour couvrir les abords du camp. Donc, en l'occurrence, Algra et Dranak. Merci Dranak pour les infos. Ok, donc au leader, comme la plus longue du monde. A priori, donc de ton côté, Trigger, ton objectif c'est celui de Dranak. Hein. 040-053. Je vais quand même me noter.
C'est quoi, un général de nouveau, un colonel? Je ne sais plus. Un général, Tiao, capitaine. Un général, carrément. Bah, il est chef de sa propre armée rebelle, alors en même temps, il faut bien se le permettre. T'as une distance de tir de combien, Trigger? Max, 1000. Et max. Et de toute façon, du point que je vois, j'ai pas des points de tir à 1000 km, donc... Alors, je vais te laisser très très autonome, hein. Je veux juste savoir si c'est faisable selon toi. Regarde, point code 224. Coordonnées 040, 046. Tu as une sorte de... Je ne sais pas ce que c'est. Et tu as quelque chose. Ouais, mais il y a le machin là... D'accord avec toi, et justement, moi je vais opérer sur Air Station Mai 26, ça me permettrait de, en plus de ça d'avoir. Ouais, enfin quoi que c'est un peu foireux. De toute façon, je vais passer par là de toute façon si j'ai besoin et je vais tourner dans ce sens là. Donc, si je vois un point, je m'y pose, ça peut être le 214, ça peut être le 224. Ah, dis-moi juste, tu comptes attaquer du nord ou du sud? Si je vois pas de point au sud, je contourne est puis nord. Ok. Si je vois un point qui me... Enfin, je me pose dessus, j'arrête de bouger. Là, je te dis. C'est quand le rendez-vous exactement? Dans une heure. À compter de maintenant, il est 23h27. Alors, moi je vais m'activer de mon côté. Toi tu peux déjà partir. Je te laisse parfaitement autonome. Le seul truc, c'est que si jamais tu contournes par l'est pour aller prendre position au nord, tu me préviens, faut qu'on t'accompagne. Je te laisserai pas passer à côté de Rogaine tout seul. Hein. On n'a pas d'informations dessus, tu vas être coincé entre Adjia Marina et Robin si jamais ça tourne au vinaigre pour toi, j'ai pas envie de te perdre. Donc voilà. Tiens, ouais, si ça pue, je vais dans l'aéroport. Hein. Mm-hmm. Ils sont marrants chez Trigger. Hein. Ouais, ils sont très drôles. Ouais. Je peux pas Billy, je suis invisible, non? C'est pas comme ça que ça marche. Allez, te repose pas trop. Casse-toi, tu me tiens informé, tu prends position sud, si tu penses contourner, pardon, tu me le dis. Hein. De plus, je crois qu'il Socio, ce que je te propose pour l'instant, c'est Cap plein nord. Attends, on va se poser. On va foutre les guillemets par contre pour le déplacement. Ouais, je fais ça tout de suite. Je vais prendre la tête pour le déplacement parce que du coup, il va falloir chercher un point de tir. Ok, ce que je te proposais pour c'est d'aller plein nord jusqu'à la côte 137 avant la route et ensuite de prendre azimut 30-40 pour aller vers la 224 et après d'aviser comment tu sentiras le tir. Ouais, on va essayer. On va checker ces trois points là déjà. Ok. Là ça emmerde parce qu'il y a l'antenne radio mais s'il faut y a rien donc. Ouais. On profitera de la forêt pour voir. Voir ce que ça donne. Tac, tac. Allez, on est parti. On est à partir de maintenant. Je peux te laisser gérer l'heure? Ouais, ça marche. Donc 55 minutes à partir de maintenant. Station Mike, il y a du monde hein, dessus, donc on fait gaffe. On fait une pause en 50 mètres, on va avoir un visu sur le prochain truc. Tu checkeras à l'aéroport, je checkerai en avant. Ça marche. Nickel, on voit mes points de tir d'ici. Je me pose au rocher. Voilà. Ok, je vais sur la gauche. Donc j'ai rien vu moi sur mes points, j'ai essayé de tout checker la vallée, il n'y a rien d'intéressant donc je suis passé assez vite. Sur Armagh par contre il y a du monde. Oula. Donc demande à Phantom s'il veut qu'on lui donne ce qu'on a vu sur la station de Max, sachant que c'est partiel et qu'on s'y est pas trop attardé. Mike, c'est quel objectif déjà? C'est Irina? Air Station Mike 26. C'est Irina, c'est ça? Ouais, Yuvena, ça a l'air d'être un point de passage. C'était pas dans le point de brief initial, donc
À mon avis, tu peux dire station mic. Donc, t'as des choses que tu vas pouvoir donner comme information ou ouais, pas? Alors, regarde. Ici, t'as trois mecs qui regardent vers le nord. Ok. T'as un mec qui a l'air d'être extérieur qui regarde sud-est, sud-ouest vers là. Ok. Alors là, je suis pas trop positionné. Et t'as un mec sur ce bunker là qui regarde sud. Ok. Phantom, ici Trigger, parlez. De Phantom, j'écoute. Durant notre progression, on a pu avoir un petit coup d'œil sur Objectif Irina, en mesure de vous donner quelques informations sur le personnel sur zone. De Phantom, bien reçu. Est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pensez pouvoir sauvegarder ça pour dans 10 à 15 minutes, parler ? On n'aura peut-être plus les infos fraîches à vous donner, mais on pourra vous donner toujours celles qu'on avait à l'heure actuelle. Quoi. Parlez. De Phantom, ça me va. Je vous recontacte dès que je suis sur position. Parlez. Bien, ensuite terminé. Ok. Bouge. Ouais, il voudra les infos plus tard, donc je lui donnerai plus tard. On est comment sur le timing? On a mis 6 minutes depuis le départ de l'objectif, donc il nous reste au mieux 55 minutes. Ok, on va dire 50 minutes parce qu'on a quand même mis 5 minutes sur l'objectif après la découverte du truc. Du coup, façon, j'y vais. Même que je suis pas à un bon endroit. De là où tu as vu, tu penses qu'il y a un des points qui sont devant nous qui sera intéressant pour. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai plus personne dessus, donc on pourra. Par contre, faudra qu'on passe derrière parce que là, si tu vois, là, en face à nous, c'est un peu clair. Ouais, enfin, ils ont pas de matériel JVN hein, non plus sur zone, donc. JVN, et tu vas comprendre. Bon, je dis que c'est clair. Ah ouais, ça commence à être un peu plus clair en effet. C'est... Alors que là, par contre, tu vois, je te vois pas. Hein. Passer. Donc toi, on reprend. Sûr qu'on va apprécier ce qui va suivre s'il y a l'alerte de partout. J'espère qu'ils vont pas annuler le rendez-vous. Trigger de Phantom, je suis prêt à recevoir les informations. Parlez. De Trigger, il y a un quart d'heure, nous avions un visuel partiel sur Irina. Trois personnels statiques en plein centre de la base. Un personnel sur une tour de guet au sud de la base et un personnel à l'extérieur de la base sur l'ouest de celle-ci. Parlez. De Phantom, les informations sont inchangées, je corrobore pour l'instant. Votre position, parlez. Nous sommes actuellement en 035-043. Je répète, 035-043.
écoute, il a coupé la com, je pense pas. De fantôme bien reçu, soyez avisés que je ne compte plus bouger pendant la prochaine demi-heure, au moins. Donc n'hésitez pas à me faire des rapports réguliers de votre situation, que je sache toujours où vous êtes. Parlez. Bien reçu, compris. Parlez. On peut y aller. De fantôme terminé. Bon. Ouais, on peut y aller. On est quoi de leur côté du coup? Ça y est, ils sont en position pour l'objectif. Pendant les 30 prochaines minutes, ils devraient pas bouger. Ils confirment ce qu'on a donné comme information. Et il faut qu'on leur les tienne au courant de notre progression sur les points clés de celle-ci, en fait. Ok. On va avoir une traversée de route dans peu longtemps, même chose. Tu seras à droite, je serai à gauche. Prie. Tu traverses, je te suis, et on reprend direct. Place. Alors toi, on reprend. Trigger de fantôme parler. De trigger transmettez. De fantôme, soyez avisés que d'ici 2 à 3 minutes, ça va commencer à pétarader partout parler. Bien reçu pour le lancement de l'action. Nous cherchons encore une position pour pouvoir traiter la GVT. Dans 2-3 minutes, ça va péter, ils vont lancer l'assaut. Ok, ça marche pour avec un peu de chance. Les ordres qu'on a sur la crête sur l'avant, d'après le relief, ça devrait le faire, mais bon, c'est jamais. Bon, bonne nouvelle, ça a pas l'air dégueu déjà de là où je suis. Sur T6. Ok, écoutir comme prévu. Ça, je pense.
tu dis? Je trouve pas, mais bon. Oh, mais faut qu'on continue à l'est. Hein. Ouais. Traverser la route ici. Ok. C'est fait, puis on a déjà reconnu le monde, donc on sait que ça bouge pas. Hélico, audio hélico. Il est pas encore sur le même. Mais par contre, on se prend. Point de vue partiel sur la cible. Pas loin par contre. Quel azimut ? 35 lumière. Enfin 32, 35, là où il y a une lumière. On est à 500, 450 mètres de la cible actuellement. Je vois pas la cible de toute façon, je vois juste la lumière. Alors je vois même. Ah si, ok, ok. Lumière visuelle, ok. Je vais me redonner le temps, voir si on a le temps d'aller chercher un... On a 12 minutes, je pense. 12-15 minutes max. De toute façon, on est fixé tant qu'il y a l'hélico. Donc on attend l'hélico, puis on bouge derrière. T'as moyen de choper un visuel, monsieur ? Je vois rien du tout. Hein. Sur l'hélico. Ah. Visuel, c'est l'hélico de transport de tout à l'heure. MI2 ou quelque chose comme ça. Je me demande s'il n'est pas en train de se poser derrière nous. Je pense qu'il est en atterrissage derrière nous. Pas certain qu'il soit posé en fait, Socio. J'ai un doute. On prévient lui qu'on a quand même un ennemi qui arrive vers eux. Fantôme de Trigger, parlez. Ils viennent d'en parler donc. De Fantôme, bien reçu, on a visuel dessus, parlez. Bien reçu, terminé. Ok, tu vois le mec à côté de la lumière, on est d'accord, en costume là, je sais pas quoi. Hein. Ouais, je sais juste trouver un endroit où j'ai vraiment 0. Allez, ici ce serait bien. On va ramper un petit peu plus vers la droite pour avoir le visuel complet. Ok, je te suis. Je pense qu'effectivement le civil attend le général.
10 minutes max, je pense. On risque pas, je garde la position. Je bouge le moins possible. Moi de me filer la distance exacte. Ouais, je vais essayer de te sortir ça. File-moi sur le bonhomme. Je me fierai à ça. Altitude, moins 35. Azimut aussi, il me faudra. Alors, sur le bonhomme, azimut 31. Alors, j'ai un petit problème encore pour la distance, mais ça va arriver. ...441 mètres. J'avais 400 tout à l'heure. 441, ça me paraît peu. T'as pas pris une fougère, hein? Le problème, c'est qu'il y a pas mal de fougères, en effet, c'est emmerdant. Prends un autre point que le bonhomme, Pierre. 440 mètres, je dirais. Allez, 440, ça va pas me changer. Formation du moins 16. Si on est logique, un véhicule va sûrement arriver de la ville, donc dès 9h. Ouais. Pareil précédent, j'en suis où? 13,9, on est descendu d'un degré, 0%, et on a également perdu de la pression. Il va pleuvoir. Je fais la météo en même temps. Fantôme, ici Trigger, parlez. De Fantôme, j'écoute. Actuellement en position 038-049 avec visuel sur la target que l'HVT doit rencontrer, en attente de l'HVT. Parlez. De Fantôme, bien reçu. Eh bien, bon courage, messieurs. On viendra vous récupérer dès qu'on aura fini ici. Parlez. Bien reçu. Terminé. Il nous souhaite bonne chance. Même si de leur côté, j'ai cru comprendre qu'ils avaient eu des petits soucis. Je t'avouerai qu'il veut certainement pas nous inquiéter. Il m'en a pas parlé. Bon, et... honnêtement, si le véhicule il vient de la ville, on va le voir longtemps avant qu'il soit là. Hein. Mmh. Est-ce qu'il y a un autre point qui... Ouais, remarque, il pourrait venir de l'est aussi, peut-être. Mais bon, ouais. Ouais, l'espèce de petite vallée. Ouais. Ou alors il arrive en hélico, carrément. Ah, c'est possible. Ou avant qu'il réussisse à se poser. J'espère qu'il va s'avancer jusqu'à lui par contre, parce que vraiment je vois pas la route qui va. J'ai une portion de route que je vois pas. Je sais pas ce que tu vas faire, c'est garde la position, au pire on tire à 440 mètres, tu peux l'aligner. Je vais essayer de monter sur le machin et essayer de voir si j'ai pas un meilleur ici. Ça marche. Audio hélico. Est-ce que c'est pas celui qui amène l'HVT? C'est possible. Du coup, je me
Répète. Quelque chose bouge. Négatif, rien. T'es plus bas que moi. Hein. Tant mieux. Je me suis pas fait chier à faire cette guilie pendant des heures pour qu'elle soit pas efficace. C'est pour ça qu'elle est en plastique. Ah non, elle est en tissu. Je vais m'avancer. Ok. Par contre, là, je t'entends plus en radio, hein, Sosio. Non, je l'ai jugé moins posé d'abord. Ok. On est à 45 minutes depuis qu'on est parti du camp, donc il devrait vraiment pas tarder. Hein. Ah, ils ont peut-être eu l'hélico. La cible a partiellement bougé, mais elle est revenue en place. Après le tir confirmé, on décale vers où? Vers la droite, vers par là où on est venu. Je t'avoue, ça va dépendre. Ok, je prends ça. S'il y a du monde, on décale un brutal d'où mec, enfin d'où là où il y a du monde. S'il y a personne, on part dans la vallée sur notre avant-droite. Bien pris. Direction sud-est. Comment ça avance de votre côté? On a toujours un visuel parfait sur la personne que doit rencontrer l'HVT en attente de l'arrivée de l'HVT. Parlez. De fantôme bien reçu, je vous recontacte dans 5 à 10 minutes. Tu peux ajouter que le corps regard est clair. Ok. Sûr de toi? T'as un bon visuel? Bah, c'est les bunkers azimut 50-51. Y'a absolument rien, parce que tout est détruit. Ok, bien pris. Fantôme de Trigger, parlez. De Fantôme, j'écoute. Sachez que on a un visuel partiel sur le camp Roguin qui est totalement détruit et vide. Parlez. De fantômes, c'est bon à savoir. Pour information également, sachez qu'on repartira par là où on est arrivé. Parlez. Bien reçu pour extraction par le lieu d'arrivée. Terminé. L'extraction se fera par le lieu où on est arrivé, donc plein sud. On n'ira pas sur la deuxième option à l'est. Sachant qu'ils vont se stationner au sud de notre position et nous attendre là-bas. Ok. Tu... On en est où, Time? Putain. On est à 50 minutes depuis qu'on est parti du camp, donc ça devrait être imminent. Hein. Si le délai est passé de 10 minutes, sachant que là je compte qu'on est 55 vu qu'on a eu l'info 5 minutes dans le camp, dans 20 minutes, enfin 15 minutes, on abat le mec et on se barre. Bien pris. T'as toujours visé sur la ville? Ouais, très partiel à cause de la végétation. Mais je pense que je verrai une lumière arriver d'assez loin en fait, mais pour l'instant j'ai rien. Contact, lumière, véhicule, provenance de l'ouest. Ça ressemble à un MV. Ou un UAZ. Peut-être un UAZ. Je le suis.
a peut-être un BRS sur mes cadavres. Dis-leur qu'on a peut-être une cible qui arrive au lieu de rendez-vous. Ouais, je pense qu'on va le traiter et je ferai la com après, hein. Je préfère. Ouais, mais s'ils sont... Je veux vraiment pas qu'ils fassent le moins de trucs chelous, là. De fantômes pour trigger, cible en acquisition, silence absolu. Je répète, cible en acquisition, silence absolu. Terminé. Alors, à part si ça arrête derrière le buisson que je peux pas voir... Ok, je l'ai. Cible traitée. T'as la radio. J'arrive. La cible est abattue, on décroche. Fantôme de Trigger, parlez. De Fantôme, j'écoute. HVT traité, je répète, HVT traité. Le groupe Trigger est en progression vers le sud pour vous rejoindre. Parlez. Beautiful and unexpected it was to wake and see the snow butterflying in through his open window.